L'ange numéro 25, Nithaya. Il régit du 23 au 27 juillet. Il est l'ange porteur de la sagesse et de l'amour suprême. Il favorise la maîtrise des forces spirituelles et la découverte des mystères cachés de la création. Il nous connecte à la magie blanche et nous inspire à souhaiter du positif aux autres. Il nous aide à transcender les faux pouvoirs spirituels, les ensorcellements et la sagesse illusoire. Avec cet ange, nous pouvons développer les qualités suivantes. Porteur de la sagesse et de l'amour suprême. Maîtrise des forces spirituelles. Étude de la métaphysique et de la Kabbale. Compréhension de la notion du temps. Entend la musique des hautes sphères. Semblable aux anges. Peut tout obtenir. Découverte des mystères cachés de la création. Révélation en songe et en rêve. Facilite les visions. Aide à trouver un lieu pour méditer. Aime la paix, la solitude et le silence. Personne calme. Magie blanche, souhait du bien-être d'autrui. Charisme spirituel. Nous pouvons rectifier les distorsions humaines suivantes. Amour et sagesse illusoires. Magie noire, pacte satanique. Prêt à tout pour atteindre son but. Faux pouvoir spirituel. Manipulateur spirituel qui agit avec un complexe de supériorité. Incapacité à percevoir la magie de la vie et à accéder à ses multiples dimensions. Renonce au créateur, au concept d'un créateur universel, athéisme, possession, ensorcellement, malheur, désespoir, intérêt matériel, égocentrisme, agité, incohérent, impatient. Va à l'encontre du destin et des lois universelles. Nous pouvons l'invoquer dans les situations suivantes. Illusion, magie, magie noire, sagesse. 12 pensées angéliques.